Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâtes avec une sauce mélangée de bœuf, de sauce tomate, avec quelques épices orientales. Donc vous allez voir, c'est très simple, toutes les étapes en vidéo. Pour commencer cette recette, vous allez prendre une grande poêle, vous mettez un filet d'huile d'olive sur un feu moyen et là vous allez faire suer votre oignon. L'oignon, vous le découpez en petits morceaux, vous mélangez régulièrement et quand l'oignon commence à être translucide, on va y ajouter l'ail. Vous remuez régulièrement sur un feu pas trop fort, faut pas que l'ail brûle sinon après il devient amer. Donc quand l'ail commence à dorer un petit peu, quand il est cuit, vous allez ajouter donc du bœuf. Alors prenez un bon morceau de bœuf, hein, du steak haché, mais chez votre boucher c'est toujours meilleur. Donc voilà, ensuite vous mélangez. On va y ajouter ensuite des graines de cumin. Si vous n'avez pas des graines, vous pouvez mettre de la poudre de cumin, ça fait aussi l'affaire. On y ajoute du sel, du poivre, on continue avec de la cannelle en poudre et des épices pour couscous. Donc on en trouve facilement dans les supermarchés, c'est carrément écrit sur le petit pot « épices pour couscous ». On mélange bien pour bien répartir toutes les épices. Ensuite, vous allez ajouter du concentré de tomate. Vous remélangez à nouveau. Et là, j'ai juste oublié de rallumer la caméra, mais vous allez ajouter de la pulpe de tomate. Donc, c'est la version lisse, pas celle avec les petits dés de tomate en morceaux. C'est vraiment de la version toute lisse. Donc, vous ajoutez la pulpe, vous mélangez bien. On continue ensuite avec la courgette, donc là c'est une toute petite, vous la détaillez en dés et vous allez l'ajouter à la préparation bœuf sauce tomate. On mélange bien, ensuite on va y ajouter l'équivalent d'une petite botte de menthe fraîche. Si vous n'en avez pas de la fraîche, bien sûr vous pouvez utiliser de la congelée, vous mettez à peu près 6-7 cuillères à soupe. Ensuite, vous allez mettre le feu au minimum, donc un feu très doux. Vous placez le couvercle et là, vous allez laisser mijoter pendant 10-15 minutes en surveillant bien. Éventuellement, vous remuez, vous vérifiez. En fait, il faut que la courgette soit cuite. Donc, pensez à faire des petits morceaux, des pas trop gros. Une fois que les courgettes sont cuites, donc là, c'est bon, vous éteignez le feu et ensuite, il ne vous reste plus qu'à dresser. Donc, vous servez avec des pâtes. Vous nappez généreusement donc, avec votre sauce et il ne vous reste plus qu'à déguster. Voilà, donc j'espère que cette recette vous plaira. Donc c'est assez simple, puis en fait ça change des pâtes traditionnelles, enfin bon, juste sauce tomate ou base crème, champignons. Là, les petites épices orientales, ben voilà, ça fait un petit plus, on sent bien la menthe. Éventuellement, vous rectifiez l'assaisonnement, vous ajoutez du sel, du poivre. Si vous préférez, vous pouvez ajouter un peu plus de cumin, d'épices à couscous. Enfin voilà, vous pouvez goûter et puis vous rectifier selon vos goûts. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook en cherchant Choc-Miel. Vous pouvez me suivre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt.